Ballon à la place du ventre et que ce ballon se remplit d'air sur l'inspiration et se dégonfle. Vous allez sentir que ça travaille là. Pareil, c'est une pression là. On va projeter ce peu jusqu'au bout de notre souffle. Faites-le pour vous, allez-y. Dis-moi, gros crac en grain d'orge. Vous allez vous mettre là, comme ça, en ligne. Les acteurs sont là, les spectateurs ici. Voilà. Alors, on va vous mettre les pupitres. On va essayer d'être rapide. Aminata, Nadine, Fatia, Thomas, Com, Louis et Odélia vont ce soir ici. Voilà. Voilà, allez-y. On vous présente les personnages. Personnage, Madame L, la quarantaine ou pas, professeur, A, B, S, K1, M, V, filles et garçons mélangés, élèves, la radio. Parce que si on ne met pas la virgule, A, B, S, K1, on ne comprend rien, d'accord? Et pareil, élève, après ça va à la ligne. Donc attendez un petit temps avant de dire la radio. Dans un royaume des mille et une nuits. Dans un royaume des mille et une nuits. Nourri d'obédience et de profit personnel. Nourri d'obédience et de... Comme allez. Tant d'autres de cette jeunesse désespérée. Allez, allez. Et puis j'ai pensé à autre chose. Il faut nommer le monde. Nommer le monde. Ce que tu vois là-bas, c'est quoi? Un renard. Un renard, redis-le. Un renard. Encore. Un renard. Je me suis assis et bien concentré. Un rhinocéros. Une aurore. La neige. Un trèfle, la quatre feuilles. Pour en finir avec la misère, le chômage et la misère, les slogans balayés par une répression armée interdite. L'ensemble est signé à force d'un souffle nouveau de liberté, celui du printemps à voir. Il y a du pense. Et là? Non. C'est là quoi? Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça se met à fonctionner. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous parle. C'est pas mal, hein, c'est pas mal déjà. Juste, on peut reprendre juste votre phrase, monsieur. Et Marwan, Maël et Aurélien, levez le pupitre parce que sinon vous avez les yeux baissés sur votre texte et vous avez plus les yeux. Maintenant, vous avez vu une répétition, vous savez ce qu'il y a à faire, vous avez vu comment ça fonctionne. Donc, maintenant, vous nous faites le spectacle. Vous avez 5 minutes pour faire très très bien. Le Kojiki demande à ceux qui dorment, de Yann Allégresse. C'est le soir et mon père est venu m'embrasser. Un baiser sur le front et un pour chaque jour. D'habitude, ma mère, elle vient aussi. Mais là, elle est partie et je ne sais pas très bien quand elle va revenir. Comment tout a commencé? Pourquoi tu es toi-même? Je ne dormirai plus jamais. En un instant, c'est arrivé. Ça vous arrive jamais à vous d'avoir des questions dans votre tête? Non. Alors, vous connaissez la réponse? Non. Vous êtes vraiment bizarre. Bizarre. Nous les voyons rassemblés. Jour après jour, semaine après semaine, toujours plus nombreux. Pacifique et déterminé, revend interdictions et menaces. Que chacune de leurs vies mise en danger à balles réelles dans un grand élan de liberté retrouvée. Tu le dis si on t'emmerde. Quoi? Jamais tu décroches. Toujours à portée d'aide magique ou en tout cas la con. Je m'en fous d'ici. Si je pouvais, je serais au pays à me battre avec les frères. Là où ça compte, vraiment. Tu parles même pas la langue. Il n'y a pas besoin. Mais si, il y a besoin. Il est important que nos enfants puissent s'exprimer. Couramment, sans accent. Devant les gens qui vont leur donner un travail, qui ne parlent pas vers nous. Tous dans notre monde, on fait les grands écarts comme on peut. Sans pays fixe. Ce que nous sommes, c'est à nous de l'inventer.
Je veux me rappeler.